Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Ado TV, la chaîne avec les ados, par les ados et pour les ados, toujours dans Randonnée Lecture. J'ai fait un petit tour à la bibliothèque et j'ai découvert ça, l'album des jeux. Je me suis dit, ah, est-ce que ça va m'intéresser? J'ai commencé par feuilleter le livre et j'ai découvert plein d'articles dans le livre, notamment l'histoire de Pierre et Marie Curie. On nous parle de ça constamment à l'école. Marie Curie. Il y a l'histoire de Marie Curie dans le livre. Il y a l'histoire d'une mangeuse d'hommes. Ah, une mangeuse d'hommes, ça paraît intéressant. Il y a aussi la grande muraille de Chine. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est l'amour maternel chez les becs. Je vous montre. Je me suis dit là, parce qu'en parlant de l'amour maternel, nos mamans ont ce instinct maternel qui est à nous protéger, à vouloir notre bien. Donc j'ai voulu lire et puis j'ai découvert plein de trucs dont je vous lis. Un autre jour, je suivais à la trace une biche et son pharaon et j'ai pu lire gravé sur le sol par des empreintes de sabots tout un poème à la gloire du dévouement maternel chez les bêtes sauvages. La biche s'était trouvée attaquée par un trigonocéphale qui aurait pu facilement tuer son petit. Réunissant ses quatre sabots pointus, elle avait bondi sur le serpent et l'avait piétiné jusqu'à ce qu'il fût complètement déchiqueté. Donc, après ça, je me suis dit, pour sauver son petit, regardez la maman biche. Elle a osé piétiner un serpent jusqu'à complètement le tuer pour préserver son petit auprès d'elle. Je vous lis encore. Au cours d'un marécage, j'ai vu sur une grosse branche d'érable un bébé écureuil occupé à déguster de tant de bourgeons. Ce petit garnement s'était aventuré à une dizaine de mètres de là où se trouvait le nid familial. J'attendais sa mère lui parler. Tout à coup, d'un crispin voisin, un hibou bondit sur lui. La mère poussa un cri d'alarme perçant. En une fraction de seconde, le bébé se laissa tomber et se rattrapa à la branche, où il resta suspendu tel un trapéziste. Pendant qu'il exécutait cette étonnante manœuvre, le hibou passait comme une flèche à l'endroit où se trouvait sa proie à un instant plus tôt. Avant que le hibou n'ait pu virer, le petit écureuil avait regagné précipitamment son nid. La vigilance de sa mère lui avait sauvé la vie. La mère était tellement attentionnée quand elle sentait le danger venir, elle a énoncé un cri d'alerte et le bébé a su que là, il faudrait regagner le nid. Donc ça, je pense que l'amour maternel chez les bêtes, chez les animaux sauvages, chez nous les hommes, chez nos mamans sont pratiquement pareils. C'est vrai, ce sont des animaux sauvages, mais il n'y a rien à dire. Ils sont tellement formidables avec leurs petits. Donc en parlant de ça, je tiens dans un lieu assez particulier. Chez mes amis les poissons rouges, ce sont des poissons assez particuliers. Donc j'ai voulu voir si j'avais lu. Donc je suis là aujourd'hui pour voir si les poissons rouges aussi ressentent cette envie de protéger leurs petits au détriment d'un danger ou bien contre un danger. Regardez-les, ils sont tellement magnifiques.
Je vais encore le dire et je vais le dire à la bibliothèque. Donc c'est pour vous dire, à la bibliothèque, ce n'est pas seulement les romans. Il y a plein de livres qui nous aident à découvrir un peu plus la nature et tout ce qui nous entoure. Je vous invite à vous abonner à une bibliothèque et à découvrir tout ce que moi je viens de découvrir aujourd'hui par vous-même. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Randonnée Lecture. Je vous invite à rester connecté, à rester scotché sur notre chaîne Ado TV, la chaîne avec les ados, par les ados et pour les ados. Rendez-vous dans un prochain numéro pour plus de découvertes sur la chaîne Ado TV. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!